Dernière semaine avant la coupure de l'été, et chaque soir, ma sélection des trois meilleurs ouvrages de l'année, parmi les romans français et étrangers, les documents, les livres illustrés et les livres au format de poche. D'abord donc, les romans français. Très éloquente illustration des errements généreux du rousseauisme, Héloïse de Philippe Beaussant, publiée chez Gallimard, trace le mémorable portrait de deux jeunes gens emportés dans la tourmente révolutionnaire. Les coccinelles de l'Etna de Jean-Marie Gouriot aux éditions de l'Arpenteur recèlent un sujet des plus originaux. Sur les flancs du volcan, en Sicile, un Japonais, féru d'antiquité et d'éruption, vient revivre la destinée d'Empédocle. Il se jettera dans l'Etna en une puissante allégorie de la rencontre des mondes. François Taillandier, quant à lui, s'est plu à imaginer de façon très plausible les mémoires de Monte Cristo pour les éditions de Fallois. L'intrigue en est connue, le traitement très écrit, surprenant. Dans cette méditation sur l'enfermement, sur le temps et sur la vengeance, Taillandier rejoint Dumas sans le trahir.